La poubelle, elle va se jeter toute seule, là, Hassan? Tu parles à qui, là? Je parle à toi, la poubelle, va l'acheter. T'as craqué, toi, quoi? Tu touches ton chien ou quoi? Hey, je la jette quand je veux, en fait, la poubelle. Je te le demande gentiment, tu comprends pas. Va me jeter cette poubelle. Farah, faut que tu te calmes, là. Voilà, ça peut pas continuer comme ça. Ah, parce que maintenant, c'est Farah. Ouais, c'est Farah, et alors? Ah, maintenant, c'est Farah. Et comment ça, et alors? Je te demande d'aller jeter la poubelle, gentiment, va me jeter cette poubelle. Farah, si je veux pas jeter la poubelle, je la jette après, tu me parles pas comme un chien. Et bien sûr, ça peut pas continuer comme ça, tu me parles comme un chien tout le temps. Ça va se terminer entre toi et moi. Ça va se terminer, moi, je te le dis. Comment ça, ça va se terminer? Tu joues ça à quoi? Tu fais quoi? T'es sérieux, là, c'est fini? Bien sûr, c'est fini, c'est ta faute. C'est ma faute, mais bien sûr, c'est maintenant, c'est ma faute. Tu joues à quoi, là? Arrête. Hey, là, c'est fini. Toi et moi, c'est fini. Hey. C'est normal, tous les couples se disputent. Mais tu te fous de ma gueule? Tu trouves ça normal, ce qui se passe, là? Putain, oh, ouais, tu jettes des assiettes, des verres. Tous les jours on se dispute, tous les jours on s'insulte, tous les jours tu jettes des assiettes, des verres. On en a même plus pour faire la vaisselle. Ah, parce que c'est ma faute, toi t'as aucun tort. J'ai mes torts, mais tu te rends compte de ce que tu fais? Tu jettes des assiettes, des verres dans... Excuse-nous le mec parfait, excuse. Mais à quelle heure le mec parfait? À quelle heure? C'est toi la faute dans l'histoire, tu pètes des cartes pour rien. Pour une poubelle, parce que j'ai pas voulu jeter la poubelle. Mais tu dis n'importe quoi, c'est pas question de poubelle ou pas. C'est une question de quoi? C'est une... Hey, toi et moi c'est fini, t'entends ça? C'est fini, je veux plus être avec toi, je veux plus être avec toi, t'es trop taré. On est mariés, on est mariés. Et alors, je sais qu'on est mariés, tu crois que ça me fait plaisir? Tu crois que tu peux partir comme ça? Mais tu crois que ça me fait plaisir moi? Tu crois que ça me fait plaisir? Je dois dire à mes parents c'est fini, je dois dire à mes proches c'est fini. Tu crois que ça me fait plaisir qu'on en arrive là toi et moi? Ouais, je suis amoureux de toi mais j'ai plus le choix, je dois te quitter. Eh hey, j'en peux plus, c'est bon, c'est mort. Eh hey, c'est mort, j'en peux plus. Hey, j'en peux plus, non, lâche-moi. T'es sûr de toi? Ouais, je suis sûr, tu veux partir? Je suis sûr de moi. Crois-moi Hassan, tu peux? Je vais te salir. Eh bah salis-moi, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Allez, espèce de clochard. Eh espèce de clochard, moi espèce de clochard. Ta poubelle, moi espèce de clochard, moi. Moi espèce de clochard. Moi espèce de. Moi espèce de clochard. Putain! Deux endroits à ce bord de la merde. Putain! Salam alaikum. Salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ça va papa? Ça va. Qu'est-ce que c'est ces histoires là? Les parents de ta femme ils m'ont téléphoné là. Il paraît que tu l'as massacré, tu l'as tapé. Quoi? J'ai reçu un coup de téléphone et ils m'ont dit ça moi. C'est pas vrai papa. Mais oui, là j'étais avec elle. Pourquoi ils m'ont téléphoné alors? Mais parce que là on vient de s'embrouiller papa, ça y est c'est fini, je suis plus avec elle papa, c'est tout. Mais papa je l'ai pas tapé. Ah ça c'est ton affaire, hein. Tu es avec elle ou pas, mais moi ils m'ont téléphoné. Il t'envoie une photo? Il t'envoie une photo? Non, non. Tu l'as vu? Non. Et ben voilà papa, je l'ai pas tapé papa. Tu crois vraiment que je suis capable de taper une fille? Ah ça, moi ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit qu'il a massacré. Voilà. Papa, wallah, c'est pas vrai, c'est papa. C'est pas un tahlef. Le tahlef, il n'est rien du tout. Un tahlef. T'as vu, c'est ça ton problème. Voilà. Papa, voilà. Ça, c'est ton problème. Dès qu'on... J'ai pas de problème, c'est toi qui as les problèmes. Et moi, elle va envoyer les flics chez moi. Et moi, j'aime pas les flics chez moi. Papa, voilà. Y a aucun flic qui va venir à la si maison. Si, elle a dit qu'elle va envoyer les flics chez moi, à la maison. Moi, je veux pas les flics chez moi. Voilà. Voilà, parce que... Allez, j'en ai marre. Moi, je vais me reposer un peu.
Mais je fais plus les courses ici ou quoi? Bien sûr, y a rien. Tu vas t'habituer. Comme d'habitude. Ah ouais, ça a pas changé ici, hein. C'est quoi cette tête d'enterrement là, wesh? Pas vous les gars, oh! C'est quoi cette ambiance? On a tout entendu. Tu l'as vraiment tapé? T'es sérieux, toi? J'ai dit ça comme ça. Tu crois vraiment que j'ai tapé? Mais non, on y croit pas. On y croit pas du tout, que tu me racontes. Ok. Mais il s'est passé quoi du coup? Il s'est passé quoi, frère? Une dispute de couple, voilà, on s'est embrouillé, c'était une dispute de trop. Je l'ai quitté, elle a mal pris. Vous êtes plus ensemble là? Mais on est plus ensemble, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Y'a plus de temps. Écrit alors? Avant de partir, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, Hassan, tu me quittes, je vais te salir. Elle a appelé son père, qui a appelé Baba, en lui disant que je l'ai tapé. C'est pas vrai. J'ai dit à Baba, mais Baba, t'as une preuve de ça, ouais. Elle t'a montré une photo, tu l'as vue. Il me dit non. J'ai dit, mais Baba, ben voilà, arrête de croire n'importe quoi. Tu crois vraiment que je l'ai tapé? Tu connais le daron, on n'est pas proche de lui, il nous parle pas. Il est dans son coin. Ouais, c'est le daron rebeu. C'est le daron, ouais, pas mal. Je sais, frère, je sais. Mais du coup, là, c'est comment? Déjà, frère, c'est comment? Tu vas me rendre ma chambre parce que je vois ta pète à ma chambre. Donc, ouais, tu vas prendre toutes tes fers. T'es venu pour nous envahir ou quoi? T'es réalisé. Exactement. Ah, t'es parti. La chambre, c'est la mienne. Ah, là, je suis revenu. On va pas changer. Je suis arrivé avant vous dans ce monde. Vous allez me rendre ce qui m'appartient. Ah là là, bienvenue dans la team célibataire, surtout. Bienvenue, ouais. Vas-y, hein, je t'ai fait pas visiter. Tu connais déjà. Viens, je te tape à FIFA, frérot. C'est moi, vous faites les malins, les types là. Oh, je vais vous montrer ce qu'il grand frère dans cette baraque là. Voilà, vous l'avez compris, c'est la merde en ce moment. Plus de meufs, plus d'oseille et en plus le daron qui est sur mes côtes. J'ai pas le choix, il faut absolument que je trouve un plan pour faire de l'oseille rapidement. Heureusement, ici, il y a tous mes gars. J'ai mon équipe avec moi et quand l'un d'entre nous est en galère, on va bouger pour sa gueule. Ici, tout le monde parle sur tout le monde connaît tout le monde. T'as compris, c'est un quartier, je veux pas te faire un dessin et t'as intérêt de savoir avec qui tu marches. Bref, maintenant que je suis de retour au quartier, j'ai plus le temps à perdre si je veux pas me rajouter des problèmes. Enfin, bref, faut qu'on fasse nos bails et qu'on se tire les blocs. J'suis dans le bloc, à la recherche de Zeyo. Dans le bloc, à la recherche de Zeyo. J'suis dans le bloc, à la recherche de Zeyo. J'bois la route, la nuit j'trouve pas le meso. Non, 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 non. J'veux passer l'été dans le bloc.